La montagne des dieux grecs. Est-ce que c'est interdit ce que je fais? Oui, probablement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle journée. Ici, nous sommes à Kalambaka. Aujourd'hui, je repars. Je repars direction la Turquie. J'ai pas forcément beaucoup de plans en Grèce. Je vais essayer de passer assez rapidement la partie grecque. Donc je vais longer le nord finalement. Aujourd'hui, je vais passer devant peut-être le seul point d'intérêt qu'il pourrait y avoir sur le chemin vers la Turquie, ce sera le mont Olympe. Et une fois qu'on aura passé le mont Olympe, qui se trouve à peu près à 200 km d'ici, je vais essayer de continuer vers Thessalonique, passer Thessalonique, et ensuite essayer de trouver un lieu de bivouac le long de la côte. Aujourd'hui, le temps n'est pas avec moi, hier il faisait couvert. Aujourd'hui, il fait couvert, mais avec des prévisions de pluie pour les deux, voire les trois prochains jours. Donc c'est parfait, je vais faire 1000 km en direction d'Istanbul sous la pluie. Allez, c'est parti, let's go, on a de la route. Regardez ce qui se dresse devant moi, le mont Olympe sous les nuages. Les routes là que j'emprunte sont vraiment sympas à rouler. Et les fleurs jaunes sur les bords avec les nuages assez noirs font un contraste assez sympathique. La montagne des dieux grecs. C'était, je trouvais ça sympa de pouvoir le voir. Et bien voilà. J'aurais vu les nuages et ça pour le coup je commence à être un peu habitué depuis que je suis parti. Bientôt arrivé près de la côte, j'ai croisé en tout cas vraiment beaucoup de personnes qui faisaient des barbecues. Depuis que je suis parti, peut-être des centaines de gens qui faisaient des barbecues sur le bois de la route que j'ai croisé, c'est assez marrant. Bref, est-ce qu'on ne trouverait pas un truc à manger dans le coin? Je pense qu'il y a potentiellement en fait un jour, on est le 2 mai, il y a potentiellement un jour férié ou... Parce que hier on était le 1er mai, donc le jour de la fête du travail. Regardez, il y en a là aussi. Partout. Bon allez, j'espère pouvoir trouver une petite taverne là, pas loin de la mer. Je sais pas du tout ce que la côte vaut de ce côté-là. Ah, c'est pas mal en vrai, hein. I love Paralia, donc nous sommes à Paralia, vite. Apparemment. C'est clairement pas dans mes budgets. Sur le bord de mer, c'est carrément cher. Carrément cher. J'ai pas envie de lâcher 20 balles pour manger sur le pouce à midi. Et bah écoutez, si je trouve quelque chose sur la route, je vais m'arrêter. Et on verra bien jusqu'à où ça nous mène cette affaire. Je pense que je vais aller faire le plein et voir s'il y a pas un truc à grignoter à la station. Oh punaise, 2,17€. Oh, la sentence est irrévocable. Allez. Le plan. Allons voir maintenant ce qu'ils ont à proposer. Bon, ça va être, je pense, un petit Twitch, vite fait, bien fait. Payer, fuck.
Moto 80 centimes, ça va, franchement, j'ai dans mes cordes. Thanks. Oh bah non, pas encore. 30 centimes, le plus dur c'est de trouver des pièces dans le portefeuille. Putain, je vois rien. Thank you. Tant d'efforts pour 30 petits centimes. Pas simple à faire, pas simple. Ouais, je vois si je peux quand même sortir de là, parce que les autoroutes c'est marrant, mais 2 minutes quoi. Je vais prendre la première sortie et on verra après, parce que là je sais pas du tout où ça me mène. On se sort de là. On se rapproche. Et nous voici le long de la mer. Donc là je vais essayer de longer pendant quelques kilomètres. Et puis dès que je trouve un endroit qui pourrait me permettre de passer la nuit, eh bien je pose ma tente. Bon, déjà ici ça a l'air d'être moins touristique. J'ai vu quelques vannes garées. Par contre il y a pas mal de chiens, c'est relou. Chiens errants comme ça, j'aime pas trop ça. Ici. Ok, ça c'est une option. Je pense que je vais continuer de longer la côte et puis on verra si je trouve mieux. C'est marrant parce que cette partie là je la trouve beaucoup plus jolie alors qu'il n'y a personne, alors que l'autre côté c'est pas si beau que ça et il y a tous les bars, tous les hôtels, tous les campings, tous les restos. Et avec ça évidemment bah, tous les chiens errants qui finissent les restes. Franchement si c'est pas déconnant hein. Je vais essayer quand même de continuer. Celui-là est pas mal. Je le tiens dans un coin de ma tête. Dans le coin où j'étais, il y avait beaucoup déjà de campeurs. Et aussi pas mal de locaux qui étaient en train de camper. Donc je vais essayer d'avancer un peu plus, d'aller de l'autre côté du coup de la pointe qui se trouve juste devant moi là. Et de voir si je trouve pas un autre spot qui soit un peu plus calé avec du coup de la place pour poser une tente. C'est pas mal en vrai. Hein. Sympa ici quand même. Oh, si je peux trouver un point là dans l'avancée de terre qui est là-bas, ce serait le top du top. Ça c'est beau ça. Je vais aller voir à pied parce que là ça commence à être assez pentu. Ce sera donc juste là. J'ai regardé, il n'y a personne en bas. Et il y a juste la place pour une tente. Donc c'est chouette. Ah. Ouh. Ubi. Pas simple. Ouais, putain, j'ai frotté sa mère. Ah, zut. C'est pas grave. Voilà, le camp est posé et franchement je suis plutôt content, j'ai trouvé un spot qui me plaît bien. Il n'y a vraiment personne ici, il n'y a pas de chien errant, pas d'humain. Il y a une super vue, je pense que demain le soleil devrait se lever par là-bas. Donc on devrait avoir un beau lever de soleil en plus. Donc en tout cas pour aujourd'hui c'est tout, on a fait quand même une grosse journée, j'ai roulé presque tout petit peu moins de 500 km. Et malheureusement j'ai pas pu voir le Mont Olympe, mais bon c'est comme ça.
Heureusement la météo est un tout petit peu meilleure ce soir, donc je vais pouvoir je pense cuisiner tranquille et passer une nuit assez calme. Et demain au programme ce sera la Turquie. Normalement on devrait rentrer en Turquie en fin d'après-midi. Mais j'ai rien de prévu en tout cas à voir sur la route. J'ai juste essayé d'avancer au maximum comme aujourd'hui. Et ensuite du coup ce sera je pense un peu juste pour arriver à Istanbul, mais au moins passer la frontière, faire un premier bivouac du côté turc. Et ensuite j'irai à Istanbul du coup le jour d'après de manière assez tranquille. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, écoutez, bah, faites-le moi savoir. Et dans ce cas-là, on se retrouve à la prochaine. Ciao !